Johann Sebastian Bach, une vie en musique. Arnstadt et Mühlhausen. 1706, Bach a 20 ans. Après un trop court séjour à Lübeck, où il s'est abreuvé de la musique de Buxtehude, le grand compositeur allemand de l'époque, dont il recopie les manuscrits depuis son adolescence, le voilà de retour à Arnstadt et à son poste d'organiste à la nouvelle église, où il s'ennuie ferme. C'est là, à Arnstadt, que Bach aurait écrit sa toute première cantate, la BWV 150. Il est malheureux et se sent déchiré entre l'obligation d'écrire de la musique pour des musiciens qui n'apprécient que très modérément et son désir d'être organiste qui n'arrive pas à assouvir. Parmi les instrumentistes avec lesquels il a des différends, il en est un en particulier qu'il ne peut pas sentir, un certain Johann Heinrich Geyersbach, bassoniste de son état. Extrait des délibérations du consistoire d'Arnstadt le 5 août 1706. Johann Sebastian Bach, organiste ici à la Nouvelle Église, a comparu et a déclaré que, alors qu'il rentrait chez lui hier, assez tard dans la nuit, en venant du château et en atteignant la place du marché, l'étudiant Geyersbach le pourchassa avec un bâton en lui demandant des comptes. Pourquoi avait-il tenu des propos injurieux à son égard? Bach répondit qu'il n'avait rien dit de tel et que personne ne pouvait le prouver car il avait passé son chemin très tranquillement. Geyersbach torqua que si Bach ne l'avait peut-être pas injurié, il avait par le passé injuré son basson, et que quiconque insultait ses affaires l'insultait lui également, qu'il s'était comporté comme un sale chien, etc. Geyersbach le frappa aussitôt. Comme Bach n'avait pas été préparé à cela, il était sur le point de tirer son poignard, mais Geyersbach lui tombe dessus. Et tous deux firent des tonneaux jusqu'à ce que d'autres étudiants se précipitent sur eux et les séparent, afin que Bach puisse continuer son chemin et rentrer chez lui. De toute évidence, ce n'est pas le grand amour entre Bach et le bassoniste. Mais écoutez, dans la cantate, il a composé une partie pour basson obligée, dont on peut dire qu'elle est particulièrement simpliste par rapport à celle du violoncelle. Bach voudrait bien s'échapper d'Arnstadt et de son bassoniste mal embauché. En 1707, il auditionne pour le poste d'organiste à Mühlhausen. C'est le 24 avril, le jour de Pâques, et tout porte à croire que c'est une nouvelle cantate de sa composition, la cantate numéro 4, qui joue pour cette audition. C'est une cantate composée sur un choral de Martin Luther. Je vous avais bien dit que nous le retrouverions au fil du voyage. La mélodie est basée sur l'hymne en plein chant « Vittime Pascali Laudes », un hymne médiéval du XIe siècle traditionnellement chanté le jour de Pâques. L'originalité de cette cantate consiste en ceci, que la mélodie se retrouve dans chacun des mouvements. Le 29 juin, Bach quitte enfin Arnstadt pour Mühlhausen. Juste avant de partir, on le réprimande encore, cette fois-ci pour avoir introduit une jeune femme sur la tribune de l'orgue.
Et comme par hasard, dès son arrivée à Mühlhausen, l'une de ses premières démarches consistera à se marier avec Maria Barbara. Mühlhausen est une petite évolution en mieux par rapport à Arnstadt. Mais Bach reste frustré dans ses ambitions. Les effectifs sont très réduits, seulement quelques chanteurs et instrumentistes, ce qui ne lui permet pas d'écrire pour des ensembles plus imposants. Pour autant, cela ne l'empêche pas de composer de nombreuses cantates, dont l'une reste parmi ses plus célèbres, l'Actus Tragicus. L'orchestration de cette cantate est relativement antique pour l'époque. Deux flûtes à bec, deux violes de gambe et un continuo. Le son de la flûte, qu'on entend particulièrement au tout début de la cantate, fait penser à une pastorale, les bergers auprès de leurs troupeaux. Mais, et c'est assez cocasse, figurez-vous que je suis tombé sur une drôle d'histoire. Il paraîtrait que cette cantate ait été écrite pour la mort d'un certain monsieur Lämmerhirt, ce qui, en allemand, signifie « troupeau d'agneaux ». Qui a dit que Bach n'avait pas d'humour ? Mais Bach ne s'éternise pas à Mühlhausen. À peine un an après son arrivée, voilà qu'il est appelé à un poste bien plus prestigieux, à la cour de Weimar. Mais cela, c'est une autre histoire et un autre voyage.